Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un Hall Keepers créatif. Voilà, donc je vous rappelle pour info qu'il n'y a pas que mes achats, que c'est des commandes groupées et que donc forcément ça peut faire beaucoup, mais ce n'est pas moi qui ai tout acheté. Voilà, je suis animatrice Keepers et du coup, ben, on passe des commandes, moi j'achète pour vous et je vous les renvoie, voilà. Donc ce qui fait que ça fait quand même beaucoup de trucs. Si c'est quand même, il y a eu pire, voilà, sachant que je n'ai pas tout, donc il y a des trucs que j'ai pas assez pour tout le monde, donc je procéderai par ordre de commande, par la date, voilà. Et du fait aussi qu'il n'y a pas assez de stock. Et ce qui devait être disponible le 30 septembre, du coup, ben, c'est disponible qu'à partir du 16 octobre. Donc, je clôturerai les commandes le 16 octobre. De toute façon, celles qui n'ont pas les commandes complètes, enfin, même celles qui ont les commandes complètes, je vous contacte de toute façon. Là, je fais le haul. Après, je prépare les commandes. Sachant que celles qui n'ont pas les commandes complètes, je vais vous dire si vous voulez attendre ou si vous voulez que je vous rembourse les articles manquants. Voilà. Donc ça, ben on y va. Alors, on va commencer par un peu le général et après on va finir par les Studio Light. Oui, en hiver, les nouveautés de Noël. Voilà. Donc, c'est un petit peu basé sur Noël aussi, ce haul. Donc, on va commencer avec des pochoirs. Alors, nous avons ce pochoir Dutch Dobado. Voilà, je l'adore celui-là. Il est trop beau. Ensuite, nous avons un petit pochoir avec plein de... Donc, il y a des étoiles, il y a des flèches, il y a des triangles, il y a plein de trucs. Ça, c'est très bien pour faire des petits fonds. Ensuite, nous avons celui-là qui a 4 pochoirs en un, en fait. Il est très, très bien celui-là. Voilà. En plus, ils sont vraiment pas chers, ces pochoirs. Je crois que ceux-là, ils sont dans les 3,90 ou 95, un truc comme ça. Donc, c'est vrai, ils sont vraiment pas chers. Moi, j'aime beaucoup ces pochoirs. Ensuite, une planche en bois pour décorer. Alors, je vous avais fait des kits avec. Là, celle-là, moi, je l'ai prise pour faire un projet de Noël. Voilà, tout simplement. Et ça sent Noël. Ensuite, nous avons de la fourrure. Hop. Donc, elle est toute douce. Là, elle est très, très... Voilà. Il y a 2 mètres, il me semble. Ouais, voilà. 2 mètres. Donc, voilà. Ensuite, je n'ai plus de glossy accent. Je pensais faire mon stock au Salon Créatif de Toulouse. Mais ben, malheureusement, il n'y est pas. Donc, comme c'est le genre de truc que je pense jamais à commander, en général, je l'achète au salon parce que je le vois, donc j'y pense. Donc là, je fais mon stock. Du coup, j'ai pris ceci. Donc, c'est Coloral, la marque. Et en fait, c'est un vernis un peu qui fait un effet émaillé. Voilà, émail à froid. Donc, j'ai pris ça pour tester, voir ce que ça donne. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup tester les produits. C'était pas très cher, le prix je m'en souviens plus, mais franchement c'était pas cher. Donc ça, c'est à tester. Ensuite, nous avons des sequins, alors dorés, voilà, rouge. Ça c'était vraiment pas cher aussi. Argenté qui aura un effet holographique, je sais pas si vous voyez, et vert. Ça sent Noël. Oui. Mais ça, c'est pas pour moi, par contre. On les a commandés. Ensuite, on m'a commandé un art journal. Donc, c'est celui de Studio Light. Donc, vous avez celui-là. Vous avez le Relax Time Relax, pardon, qui est très, très joli. J'hésite à me le prendre. Je ne sais pas si je le prendrai ou pas. Qui est plutôt craft, plutôt... Voilà. Là, celui-là, c'est la collection... oriental, enfin plutôt oriental, très coloré, voilà. Donc c'est à kiffer. Voilà. Et je crois que c'est la collection Artsy,
Arabia. Mais je ne suis pas sûre. Alors, je ne sais pas si c'est elle, si c'est son nom à elle ou si c'est le nom de la collection. Je vous avouerai que cette collection, elle est un peu trop colorée pour moi. Donc, je ne me suis pas trop. Voilà. Donc, ça. Ensuite, nous avons des papiers A4. Alors, voilà, je vais passer après. Parce que il y en a, c'est la nouvelle collection. Donc, nous avons celui-là. Donc, celui-là, ben, c'est Studio Light. De toute façon, c'est que du Studio Light. Derrière, c'est comme ça. Nous avons aussi celui-là. Et derrière, il est comme ça. Nous avons cela qui est très, très, très joli. C'est un de mes chouchous. Voilà, donc ça, c'est la collection Time Relax. Ouais. Pour cela, c'est mon chouchou. Ça, c'est le Summer Breeze. Donc, ça, c'est ce que je m'étais servi pour faire la couverture de mon kit. D'ailleurs, je sais pas, je crois qu'il en manque un. Je regarde ça et je te le dis après. Je crois qu'il me manque le 30-30. Donc, après, nous avons celui-là, c'est Time Relax. Nous avons celui-là qui est un de mes chouchous. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais, donc voilà. Il est trop, 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 trop beau celui-là. Et derrière, il est comme ça. Ensuite, nous avons mon chouchou aussi. Oui, non, mais j'ai beaucoup de chouchous dans cette collection. C'est une tuerie. Vous le savez, moi, je l'adore. Voilà. Il y en a d'autres, je crois, par là qui vont arriver. Donc, ça. Hop. Donc, là. Ensuite, on va passer au papier de riz à y être, hein? Oui. Donc là, pareil, je n'ai pas tout puisque ils ont décalé la date qui était prévue au 30 septembre au 16 octobre. J'en suis désolée, mais là, les stocks, ben, on a toujours nos problèmes de stock. Donc, je vous montre celui-là. C'est Time Relax aussi. De toute façon, hein, Time Relax, il y en a beaucoup. Hein. Je ne suis pas la seule à craquer sur cette collection, comme vous pouvez le voir. Voilà. Celui-là, il est juste magnifique. Franchement, celui-là, je crois que je vais m'en reprendre. Parce que j'en ai qu'un et j'ai beaucoup de projets avec. Avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'il ne me les laisse pas longtemps, les collections, je crois. Il y a celui-là. J'adore. Ensuite, nous avons celui-là. À l'endroit, c'est mieux. Vous voyez les notes de musique et tout en fond. Bien sûr, un demi chouchou. Mais vous constaterez à l'épaisseur que je ne suis pas la seule. C'est pas que mon chouchou. Trop, 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 trop beau. Ensuite, nous avons celui-là, qui est très, très, très joli aussi. Ensuite, nous avons celui-là. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. D'ailleurs, je crois que j'ai un projet à faire avec. Nous avons celui-là. Donc, ça, c'est ce que je me suis servi pour le kit de la boîte livre effet craquelure. C'est le même. Nous avons celui-là que j'adore vraiment. Bon, moi je connais beaucoup de mécanos, carrossiers, tout ça. Du coup, voilà. C'est un papier que j'affectionne particulièrement. Et ensuite, nous avons celui-là. Donc, voilà pour les papiers de riz. Les autres seront disponibles à partir du 16 octobre. Donc, voilà. Donc, après, à vous de me dire si vous voulez attendre ou si vous voulez que je vous rembourse.
Donc ça, ensuite, on va continuer avec les papiers. Alors, je vous l'avais déjà présenté, mais j'en ai repris une puisque j'ai des projets, un kit Scrap Colors à faire. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul, il me semble que c'était le dernier haul Scrap Colors. J'avais pris un kit album photo en forme de chronomètre en bois et tout avec des baskets et je vous avais dit que c'était pour faire avec cette collection. Donc c'est la collection de la marque Jocraft, c'est streetwear. Donc voilà. Oui, je suis désolée, je refais la vidéo puisque ben, je l'ai perdue. Donc je refais. Et je suis désolée si je parle du nez, mais j'ai attrapé froid ce week-end et il fait très humide, du vent, enfin bon, voilà quoi. Donc, mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que je suis enrhumée. Regardez-moi ça. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette collection. Et quand j'ai vu cette collection, je l'ai trop vue avec le kit de Scrap Colors. Alors, du coup, voilà. Moi, je l'ai acheté. Bien sûr, ce sera une créa à faire, c'est pas pour quelqu'un en particulier, c'est pour faire parce que j'ai craqué, voilà. Mais pour un enfant, un bébé, c'est trop trop bien. C'est des couleurs très douces, moi j'aime beaucoup. Voilà, ben voilà. Alors, je vous montre là derrière. Oui. Non, j'ai cru, j'avais oublié de vous montrer le derrière sur les autres. Comme je refais ça vite fait, du coup. J'aime beaucoup cette collection. Pour info, il me semble qu'elle est à 8 euros ou 9 euros. Elle est à pas plus de 9 euros, ça c'est sûr. Ça je le sais, je crois que c'est 8,99 euros, un truc comme ça, ou 7,99 euros. Et pour finir, voilà. Et oui, comprenez pourquoi j'ai craqué là dessus ensuite. J'ai des enveloppes craft avec les doubles cartes. C'est ce que je me suis servi pour le kit Summer Breeze. Voilà. Donc, les cartes, enfin, les doubles cartes font 16 sur 16 et les enveloppes, je recommence, pardon, les enveloppes font 17 sur 17. Voilà. J'aime beaucoup ces kits. Et ensuite, alors, nous avons du papier craft, toujours pareil pour le kit. Donc, il y a 25 feuilles. Par contre, là, c'est du 220 grammes. Voilà. Donc, si tu passes par là, ils m'ont mis le 220 au lieu du 175. Donc, si ça ne te va pas, dis-moi le. Enfin, de toute façon, je te contacte après. Et tu me dis si tu veux celui-là. Sinon, je te recommanderai le 175 grammes. Donc, voilà. Ensuite, donc nous avons un bloc die cut. Alors celui-là, il est disponible, il me semble, de suite parce que je crois que c'est une erreur. Je l'avais dans mon panier parce qu'il était indisponible et puis en fait, je l'ai commandé. Donc si jamais quelqu'un est intéressé, je vous le montre vite fait, je vous l'ai déjà montré. Il est magnifique. Après, c'est pas grave. Moi, je m'en servirai quand même. Il est très, 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 très beau. Il va avec une collection Studio Light. Donc, voilà, hop. Je monte derrière, peut-être. Voilà. Ensuite, nous avons le bloc, pareil, de Die Cut. Donc, c'est Studio Light aussi. C'est Exploration. J'adore. Pareil, je vous l'ai déjà présenté. Donc,
c'est une tuerie. J'essaye de me dépêcher, je suis désolée. Parce qu'en fait, l'autre vidéo, je l'ai perdue parce qu'elle était trop longue. Et du coup, là, il y a le papier de riz aussi, comme ça. Mais je ne sais pas s'il est dispo ou s'il sera que le 16 octobre. Donc, pareil. Hop. Ensuite, nous avons. Alors, je ne vous les remontre pas puisque je vous les ai montrés dans mon dernier Haul Keepers. De toute façon, je vous remettrai par là en i le lien du dernier Haul Keepers. Comme ça, vous pourrez le voir. Donc, nous avons les die cuts. Time relax, c'est une tuerie. Voilà, avec magnifiques orchidées, les pierres zen de Bouddha. Et celui-là, il est magnifique. Donc en fait, c'est elle qui a inventé la collection. Ensuite, alors pour les blocs 15-15, pour le moment. Je vais en avoir que peut-être un de dispo. Pour le moment, ils sont indisponibles et la date est inconnue parce qu'ils sont en rouge. Donc, je ne peux pas garantir de pouvoir en avoir d'autres. J'en ai un de dispo de chaque. Mais après, je ne peux pas vous dire quand c'est qu'il y en aura. Donc, si vous le voulez ces collections, ne tardez pas trop. Si, parce que j'en ai qu'un de en plus, quoi. Parce que j'ai vidé le stock en fait. Et voilà. J'en ai qu'un de plus. Donc c'est celui-là. Donc c'est du 15-15. Et celui-là. Pareil, je ne vous les remontre pas. Vous l'avez en détail dans mon dernier haul craquage Studio Light, n'est-ce pas? Et celui-là, c'est le 20 mai. Voilà. Donc franchement, de magnifiques papiers. Ouais, ça, c'est mon chouchou. Bref. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez le voir en détail, allez sur ma vidéo précédente. Ensuite, des petites mousses comme ça, des pinceaux mousse. Moi, je les adore, ceux-là. J'aime beaucoup, ils sont petits, ils sont souples, je préfère ceux-là que les noirs parce que les noirs sont un peu durs pour moi, je trouve. Mais ceux-là, ils sont très bien. Voilà. Les noirs sont bien aussi. Hein. Donc voilà. Ensuite, une Inca Gold. Donc c'est là, ça c'est la cire, c'est la titanium. C'est la blanche. Moi, je m'en sers pour faire un effet de gesso. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, nous avons trois peintures. Donc ça, c'est les Maya Stardust. Je vous les avais présentés avant les vacances. En fait, c'est comme les Maya Gold, sauf que c'est des pailletés. Elles sont trop, 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 trop belles. Je les ai testées sur la boîte livre et j'adore. Donc, nous avons l'argenté. Nous avons la rosée. Et nous avons la magenta. Voilà. Ça, c'est une tuerie. Donc, ensuite. Nous avons une lampe comme ceci. Alors, je vous la montre. Celle-là, elle n'est pas pour moi. Mais moi, je n'ai pas pu résister. Donc, je vous la montre. Hop. En fait, c'est ceci. Voilà. C'est une petite lampe de bureau. Donc, on la met comme on veut. Ouais, voilà. Depuis tout à l'heure, je suis éclairée avec. Il y a un cordon qu'on charge, qu'on branche ici. Par contre, il n'y a pas la prise téléphone. Donc, il faut la rajouter. Je peux y arriver? Si? Oui, non? Ah, voilà. Je ne trouve jamais le sens. Donc, voilà. Vous avez le bouton marche arrêt. Là. Et pour info, elle tient entre 2 et 3 heures sans être branchée. Voilà. Donc, franchement, elle est. Ça fait 2 jours que je l'essaye là et elle est vraiment très très bien. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis pour le prix ça va. Moi je l'avais vu au salon créatif et tout, c'était beaucoup plus cher. Ensuite, on va parler de Noël. Ah non, un dernier truc. J'ai oublié les Seguin blancs. Ils sont très très beaux ceux-là. J'aime beaucoup les reflets qu'ils ont.
Peut-être que vous ne le voyez pas bien. Voilà. En fait, j'ai pris de la résine. Alors, en fait, c'est parce que avant les vacances, il y en avait une personne qui me l'avait commandé. Du coup, c'était pas dispo. Du coup, moi, je l'ai remboursé, mais j'ai oublié de l'enlever de mon panier. Et ce qui fait que quand j'ai commandé, j'avais tellement d'articles, j'ai pas fait attention que c'était passé. C'est pas grave puisque je compte faire me remettre à la résine, donc ça, c'est pas grave. Donc, c'est de la résine transparente pour bijoux. Voilà. Donc, là, c'est les petits flacons. Il y a 180 grammes. Mais après, je sais qu'il y a une plus grosse quantité. Bon, voilà. Donc, l'occasion de la tester, du coup, puisque je me suis trompée. Ensuite, on va passer à la nouvelle collection de Noël. Bon, à travers, il y a des chances qu'il y ait du time relax et tout ça, mais bon, on le verra au fur et à mesure. Donc, la nouvelle collection de Studio Light s'appelle Winter Sharp. Elle est magnifique. J'adore vraiment beaucoup. Regardez-moi ça. J'adore. Ensuite, nous avons celui-là. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Hein, et comme vous allez constater, ben, j'ai craqué. Donc voilà. Donc ça, c'est les A4. Ensuite, nous avons les 30-30. J'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs. Je trouve très doux. J'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi ça, j'adore. Je vais passer assez vite quand même. Là, c'est la Snowy Afternoon. Donc là, ils ont sorti un bloc de la même collection. Et j'ai aussi des blocs carterie. Snowy Afternoon. Ce papier, vous allez le reconnaître. Je vous l'avais présenté. Voilà, il est magnifique. Et ça, c'est Time Relax. Et oui, on les reconnaît. Nous avons celui-là dans la nouvelle collection aussi. Il est vraiment très beau. Ça, je viens de vous le montrer. Ça, c'est la collection Summer Breeze. Avec quoi j'ai fait la couverture. Mais alors, ça doit être un A4 qui te manque. Je vais voir. Je le regarderai après. Time Relax. Regardez-moi ça. Qui est trop mignon. Bah oui. Pareil, Time Relax. Et pour finir, oui, je sais, c'est trop beau. Donc voilà pour les papiers 30-30 et A4. Et puis, alors, je vais vous présenter le bloc Snow Afternoon que je vous disais. Donc voilà, là, ils nous ont sorti des blocs. En fait, on peut tout faire avec. Vous avez les papiers, vous avez des stickers, des die cuts, des tags. Enfin, voilà. Il y a tout là-dedans pour faire un album photo. Donc, je vous le montre. Ça, c'est les stickers. Peut-être vous baissez un petit peu. Excusez-moi. Que vous le voyez. Ça, c'est des tags. Je ne sais pas si vous voyez comme c'est. Moi, j'adore. Du coup, ben, j'ai craqué donc les papiers. J'adore. De toute façon, je vous les ferai. Regardez-moi ça. Là, vous ne le voyez pas peut-être, mais il y a de la neige et tout. Il y a un effet neige. C'est trop beau.
Moi, j'ai craqué. Et des die cuts. Les patins et tout, moi. De toute façon, je craque. Dès que c'est Noël, je craque. Donc, voilà. Donc, celui-là. Ensuite, on a un bloc carterie de Noël. Il me semble que je vous l'avais présenté aussi l'hiver dernier, mais je suis pas sûre. Il est trop beau. Donc là, en fait, c'est les deux feuilles pour faire une carte. Là, vous avez les décos, les die cuts. Et là, vous avez la base, le fond. Voilà. Et encore des die cuts pour continuer à embellir un peu plus. Moi, j'aime beaucoup faire des albums photos avec ça. Mais ceux qui me connaissent le savent. Je fais pas de cartes, hein, j'en fais pas beaucoup, mais par contre, j'adore m'en servir pour faire des albums photos ou autre, hein, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On fait ce qu'on veut avec. Donc voilà, là vous avez tout. Moi souvent je récupère aussi les couvertures. Ouais. Ensuite, allez. Nous avons la collection Christmas Feeling. Donc pareil, en bloc avec tous les papiers, les die cuts et tout ce qu'il faut. Oups, derrière. Voilà, donc moi j'adore. J'adore. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Je trouve que c'est des couleurs très douces, j'aime beaucoup. Franchement. Je vais pas y arriver. Je suis désolée, mais j'ai le froid dessus, du coup j'ai froid au nez. Vous voyez ce vert-là? J'adore. Le papier est super épais, donc ça avait été sapin. Beige. J'ai poussé la lumière, voir si vous y voyez mieux comme ça. Regardez-moi ça. J'adore. Avec des étoiles. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Franchement, ça va. Hop, et là, voilà. Bref, voilà. Ensuite, nous avons le traditionnel Christmas. Pareil, toujours le même principe. Les papiers et les die cuts, autocollants et les tags. Et c'est une tuerie. Franchement. Que dire d'autre que c'est une tuerie. Donc les papiers, ils sont magnifiques. Franchement, j'adore. Très traditionnel. Tout ce que j'aime. Vraiment, que dire, hein? C'est beau. Et les stickers. Donc voilà. Donc ça, c'est le traditionnel Christmas. Et donc pour finir, ben, la collection où j'ai craqué, ben, c'est la Winter Charm. Donc pareil, vous avez le bloc où vous avez tout pour faire les papiers, les die cuts, stickers et les tags. Voilà. Et là, c'est une tuerie. Donc, les stickers. Les papiers. Trop beau. Franchement, que dire? Que dire? J'aime beaucoup. Vous allez peut-être pas le voir, mais il y a de ces effets très pastels. C'est blanc et bleu très clair. C'est magnifique. Les die cuts.
Donc là, pareil. C'est une tuerie. Et puis là, ils nous ont sorti aussi un bloc 15-15 die cut. Donc, je vous montre tout ce qu'il y a. Et donc il y a deux pages de chaque. Ils sont trop jolis. Bien sûr, on peut en faire ce qu'on veut après. Hein, en fait, des albums, des cartes, tout ce qu'on veut. On peut en faire aussi pour décorer les étiquettes cadeaux. On fait ce qu'on veut, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de façons de s'en servir. J'adore. Ils sont trop choupinous. Ouf. Ouais. Mais oui, j'ai craqué, oui, mais je sais. Je sais, j'ai craqué. Et pour finir, vraiment le goût. Donc voilà, donc ça c'est le bloc die-cut. Ensuite, nous avons deux blocs 15-15 de papier. Donc nous avons le numéro 158 et le numéro 157. Donc le 158 c'est le bleu. Et pareil, il est trop beau. Donc ça c'est très bien parce que moi je vous dis avec des blocs papier et des blocs et les die-cuts, ben, moi je fais des albums. On fait ce qu'on veut après. Moi, je vous parle d'album parce que c'est ce que j'aime faire avec. Mais après. Donc, c'est une tuerie. Et après, on recommence. Et pour le dernier. Donc, voilà. Le 157. Il est dans les verts. Il est magnifique aussi. Franchement, une tuerie. Et les deux combinés. Waouh! Franchement, trop beau. Ça, j'adore. Franchement, trop beau. Ah, et on revient après au début. Je vais afficher. Ouais. Donc, voilà. Et ben, pour compléter, puisqu'on parle de Noël, qui dit Noël, dit neige, paillettes et tout. Du coup, j'ai pris des produits pour tester. Alors, c'est de Viva Décor, bien sûr. J'adore cette marque. C'est pas fait exprès, je vous jure. Donc là, c'est des glitters gold, donc dorés. Bon, alors, c'est un doré très clair. J'en ai mis partout, on va l'essuyer. Donc voilà, c'est du 3D. Hein. Camdel, wesh. Ah oui, non, ça je crois que je l'avais pris. Je crois que c'est pour faire des bougies. Alors attendez, j'ai pas les lunettes en plus. Donc je vais vous dire ça. Il n'y a pas le français. En voyant si j'arrive à le lire parce que ah oui voilà ça c'était pour la bougie parce que je voulais faire des bougies pour Noël. Et que pour décorer, ben ouais, je sais que c'est fait pour les bougies. Voilà, ça c'est de la peinture 3D pour les bougies. Et c'est la gold glitter. Voilà. Donc très discret. Ensuite, j'ai pris la 3D Shiner. Donc c'est de la 3D effet neige. Et je l'ai pris parce qu'en fait, des fois, les gros pots de texture, ça va pas. Et là, nous avons un pot, une pointe fine. Donc, si je vais en mettre juste sur les bords et tout, ben, du coup, je pourrais avec ça. Donc, j'ai dit, allez hop, on la prend, on va tester. Donc, je vous montre, c'est blanc.
Ensuite, j'ai pris des paillettes, ils appellent ça cristal. Voilà, c'est vraiment pour reproduire l'éclat de la neige, les paillettes et tout. Voilà, donc pareil, à tester. Et j'ai pris deux pâtes effet neige. Alors, il y en a une, c'est pour faire un effet glacé et l'autre pour faire un effet neige. Donc, celle-là, c'est effet, vous savez, comme un effet givre en fait. Voilà. Et celle-là, vous allez peut-être le voir, peut-être la lumière un peu plus. Je sais pas, vous voyez les paillettes. Là, il y a pas de paillettes, ou très peu. Là, il y a des paillettes. Voilà. En fait, c'est le même nom, c'est les mêmes. Sauf qu'il y en a un, il fait effet givre, et l'autre, il fait neige brillante. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour tester. Voilà. Mais écoutez, voilà pour ce haul Keepers Créatif, donc plutôt spécial Noël. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces articles vous plaisent. Bien entendu, je vous invite à aller cliquer sur le lien Keepers Créatif qui est en barre d'infos dans la vidéo pour découvrir les produits que je vous ai montrés et découvrir d'autres produits. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Si vous êtes intéressé pour passer commande, contactez-moi par mail à l'atelierjoël31@gmail.com. Pareil, vous l'avez en barre d'infos. Et puis voilà. Logiquement, la prochaine commande, je la clôturerai vers le 16 ou 17 octobre, logiquement. Puisque ce qui me manque devrait être disponible le 16 octobre. Donc, si vous voulez passer commande, sachez que ce sera aux alentours du 16-17 octobre, normalement, que je vais clôturer la prochaine commande. Voilà. Écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.